Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, avant l'introduction, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Voilà, les produits jaunes, c'est les produits qui donnent l'éclat. Et puis, les produits, le bleu ici, c'est lui qui nettoie. Donc, les deux produits, c'est les produits de wood. Donc, c'est-à-dire les produits de bois. Donc, qu'on fait pour le mabaya. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ces produits ici, des woods, les produits jaunes. Donc, après avoir nettoyé, je nettoie avec les produits bleus. Uniquement, c'est les woods. Donc, c'est-à-dire le bois, mabaya, tout ce qui est en bois dans votre maison, les doors ou bien les tiroirs, les armoires. Tout ce qui est en bois, j'utilise ces produits-là bleus. Et puis, les jaunes, c'est comme engelisango. Donc, les faire brûler. Après avoir lavé, donc, je spray avec les jaunes pour que mes portes, tout ce que je nettoie en bois, ça brûle comme si c'est du nouveau, comme je viens de l'acheter tout à l'heure. Donc, voilà, là, vous allez voir comment je suis en train de faire. Comme j'avais enlevé ces signes-là dans la chambre des garçons, donc j'enlève cela et puis je nettoie. Bon, les signes dans la chambre des filles, ma chambre. Et puis la toilette, c'est déjà attaché. Il y a une vidéo que j'avais fait pour la chambre des filles, comment j'avais organisé. Donc, je vous avais mis les liens, comment si vous voulez acheter ces histoires-ci, des collets à la porte. C'est juste magnifique, c'est juste détaillé que non, ça sont la chambre des filles. Souvent, j'ai mis les noms des filles, notre chambre, la chambre des parents. Donc, c'est juste quelque chose qui donne l'éclat dans les chambres. Donc, voilà. Ça c'est collé, je ne peux pas enlever, mais j'avais enlevé pour les garçons parce que les garçons c'est facile. C'est écrit Fortnite in progress, donc les jeux là de Fortnite, PS4 in progress. Donc voilà, c'est juste caustique. Ok, bienvenue alors sur cette vidéo. Vraiment, vous êtes très très nombreuses de me suivre. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu visites cette chaîne Kiki M Grace, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, cliquez la cloche de notification et partagez la vidéo évidemment si tu as aimé. Voilà. Suivez-nous aussi sur Instagram Kiki M Grace. Comme vous voyez là, les photos sont en train de défiler. Moi, ma famille, mon mari, nous faisons beaucoup de vlogs sur la famille, les conseils des couples avec mon mari. Donc, je prépare, nous présentons aussi, on fait des vlogs, nettoyage. Si tu es concerné sur ces sujets que j'ai énumérés, tu es dans une bonne chaîne. Je t'invite à t'abonner et aussi de nous suivre sur Instagram, Kiki M Grace. Que mon Dieu vous bénisse tous. Voilà, là, nous allons continuer à nettoyer. Encore une fois, je vous souhaite bonne année, bonne année, bonne année 2021. Est-ce que le Seigneur qui nous a fait entrer dans cette nouvelle année, qu'il continue toujours à nous garder, à garder nos familles, nos vies, que l'Éternel Dieu soit avec nous. Ok, je vous laisse visionner la vidéo. Là, j'ai fini à nettoyer les portes. Les wipes que vous avez vus, c'est les lingettes antibactériennes. Ça, d'ailleurs, c'est une habitude qu'on fait.
Les enfants font chaque jour, on passe les wipes antibactériels dans des postes. Donc là où nos mains, là où nous plaçons nos mains, on désinfecte ça. Ça d'ailleurs, c'est une habitude qu'on faisait d'ailleurs même avant les coronavirus. Donc j'ai fini et vous voyez comment je vous ai dit là, les chambres, les filets, non? Et puis notre chambre. Et puis la toilette, donc tout est fini. C'est très propre. Ça brille. Le spray jaune que je vous ai dit là, non. C'est magnifique. Ça fait un travail. Donc, et puis, ça sent très bon. Vraiment, smell qui toque. Donc, j'ai fini en haut. Je suis maintenant descendue en bas dans les salons. Moi, vraiment, je fais les portes en haut. Sans vous mentir, dans des chambres là en haut, je fais une fois dans les 6 mois. Donc, dans l'année, c'est 2 fois. Donc, chaque 6 mois, je fais une fois. En bas, je fais vraiment chaque mois. Parce que surtout dans la cuisine, vous voyez, quand on prépare la graisse et partout, on a tendance d'ouvrir nos portes. Donc, ce qui est en bas, je le fais chaque mois. Et puis, j'ai mon calendrier juste derrière la porte de ma cuisine, il y a la calendrier. Là, si je finis, dès que je finis, je note. Donc, voilà. Là, je vais faire les salons. Et puis après, je vais aller sur la porte qui est à côté. C'est mon storage room. Je vais alors aller et puis nettoyer. Donc, la procédure, c'est la même. Le spray bleu de nettoyage, uniquement ce qui nettoie les mabaya, ce qui nettoie les bois. Ah, oh là là, français, hein? En tout cas, c'est difficile d'habiter dans un pays anglophone, donc tu oublies ton français. Voilà, donc je vais nettoyer aussi ma porte là de storage. Et puis après, dès que je finis de nettoyer avec le spray bleu, et puis là, je prends mon spray jaune pour le faire brûler. Donc c'est ça le procédé que je fais sur tout le porte. Et puis j'en fais des côtés face A et puis face B, comme je le fais en haut, face A, face B. Donc dehors et puis dedans dans la chambre. Donc je fais ça et puis je vais continuer à faire la même procédure. Voilà. Au total, j'ai 11 portes. Donc en bas et en haut, j'ai 11 portes et aussi donc 4 en haut. Donc j'ai 3 chambres, la toilette et 7 en bas, including les 2 entrées. Dans les 2 portes d'entrée, le jardin et puis le front door. Donc voilà. Et puis imaginez tous ces 11 portes. Je lave le face A, face B. Donc dedans et dehors. En tout cas, c'est vraiment fatigant. Mais on n'a pas de choix. Je vous invite vraiment de le faire dans vos familles. Maintenant, là, comme vous voyez, je m'ouvre dans ma cuisine. Je vais enlever le calendrier. Je vais d'abord mettre la date. Aujourd'hui, la date que j'ai fait cette vidéo, je mets pour que ça me rappelle le mois prochain, je vais faire, même pas si c'est pas la même date, mais quand même, je connais qu'au mois de janvier, j'avais fait cette date et puis le mois prochain, j'ai fait. Donc, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre, c'est ce que j'ai fait. J'encercle toujours. Je vous invite, je vous encourage, le moment, en tout cas, regardez vos cuisines. Après avoir regardé cette vidéo, checkez vos cuisines, checkez les portes de vos cuisines. Vous allez voir vraiment Nengezalaka et Santa Saka, la maman Fouta, les huiles que nous préparons, le miel et tout, donc au moment la porte vraiment, minimum vous regrettez. Donc je vous encourage de checker vos portes et de faire la même façon que j'ai fait. En tout cas, Borosepe là, vous allez me donner raison. La première fois peut-être vos portes seront, ça sera la graisse vraiment très fort attachée. Au lieu de faire seulement le spray de wooden, je vous conseille aussi de faire les savons washing liquide, les savons vaisselle. Donc, vous prenez les savons vaisselle, vous mettez dans l'eau et puis vous mettez votre étoffe. Vous allez nettoyer pour enlever toutes les saletés. Puis après, vous allez faire la procédure que je fais de spray. Parce que si c'est déjà la saleté ça s'accumule beaucoup, c'est très difficile d'enlever ça. C'est moi juste avec ce spray. Bon, moi, comme j'ai déjà l'habitude de le faire chaque mois, c'est plus facile. Quand je mets ce spray ici de bois, ça s'enlève vite. Mais si tu vois que ta porte a beaucoup d'histoires qui se sont accumulées, je vous conseillerais d'acheter, de prendre juste les savons, lessive, et puis vous allez nettoyer sur dessus.
Vous allez me donner raison. En tout cas, je vous encourage. Le maman, faisons-les uniquement. C'est pour nos familles, notre maison. C'est toi-même qui vas faire le bien-être de ta maison. C'est notre demeure. C'est là où nous vivons chaque jour. On ne peut pas aimer vivre dans un endroit très sale. Est-ce que vous collez Non. OK. Voilà, je continue. Je vous laisse visionner la vidéo. Donc là, je vais nettoyer ma porte des back garden, mon jardin du derrière. Donc, je vais nettoyer cette porte. Vous voyez, quand nous entrons avec sa patte, où les chaussures sont très sales. Souvent, la saleté des chaussures, ça reste là où je nettoie là tout à l'heure là. Et alors, je vais en profiter, nettoyer tout. Et puis, là où je suis en train de nettoyer, c'est ma toilette du bas. De visiter la toilette de visiteurs, donc je vais bien bien nettoyer, insister sur toute la saleté. Dès que j'ai fini, comme les portes n'étaient pas dry, je vais maintenant recommencer encore le procédé du spray jaune pour que ça brille. Je fais brûler toutes mes portes. Je sais c'est pas facile, maman, mais si nous faisons cela chaque mois, en tout cas, ça sera bien. Je sais qu'en haut, c'est pas vraiment sale. Vous pouvez faire une fois dans l'année, deux fois dans l'année, c'est pas toujours un problème. Mais la cuisine, surtout les gens qui vivent en Europe, en Afrique, nous avons nos pièces de cuisine ont des portes. Peut-être les Américains, ils n'ont pas de portes, mais nous avons des portes. Vraiment, je vous en supplie, il faut bien nettoyer ces portes-là. Et Kozala, très bien, vous allez me donner raison. Toti Kaboulembou, les mamans, allons dans nos travails. Yeah? Et puis les vitres aussi, là, je vais aussi prendre le spray du vitre pour nettoyer les vitres parce que mes portes de l'entrée, les deux, le front et puis le back, il y a du vitre, le vitre et puis celui aussi de la toilette, les visiteurs, il y a aussi les vitres. OK. Je vous laisse visionner. Voilà, là, tout est fini. Toutes les portes sont très bien nettoyées. Je suis très contente, vraiment. Ma maison sent très bien. Le fraîche air, les dors sont bien propres. En tout cas, je suis très contente, super contente. Voilà. Je vais maintenant vous laisser de vous abonner. Abonnez-vous vraiment de telles choses que vous voyez uniquement sur Kiki M Grace. Je vous invite de vous abonner. Pourquoi pas aussi partager à vos amis. Hein? Partager. Voilà, ça c'est mon douche pour les visiteurs que j'ai fini. En tout cas, la porte est très bien propre. Je suis vraiment contente du rendu des résultats. OK. Abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.